Le Mali et ses partenaires tentent de trouver une solution à l'épineuse question de la problématique de l'accès des populations à l'eau potable. Ils sont réunis à la faveur d'une table ronde dont les travaux ont débuté ce matin. La question est cruciale puisqu'on estime à 200 000 mètres cubes le déficit de production d'eau à Bamako. Il s'agit donc pour les deux parties de relancer le projet de financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala. Le projet nécessite un financement de près de 165 milliards de francs CFA. Reportage de Mohamed Diarra. Le gouvernement du Mali et ses partenaires financiers ensemble pour donner de l'espoir à des milliers de personnes toujours privées d'eau potable à Bamako. La situation s'est aggravée en cette période de canicule. On estime à 200 000 mètres cubes le déficit de production d'eau à Bamako. Une situation qui s'explique par la forte croissance de la population. Cette table ronde vise à relancer le financement de l'ambitieux projet d'alimentation de la ville de Bamako en eau potable à partir de Kabala. Le projet nécessite un financement de près de 165 milliards de francs CFA, toutes composantes confondues. La station qui sera installée à Kabala, les ouvrages de stockage, les châteaux et les réseaux de distribution d'eau aux populations. C'est la crise politico-sécuritaire qui a freiné les travaux de construction de la station de pompage de Kabala. Les bailleurs ayant suspendu leurs appuis financiers, ce qui a entraîné un déficit d'investissement de plus de 60 milliards de francs CFA. Vous comprendrez que la présente rencontre est d'une grande importance pour mon département, car elle doit marquer le début de la concrétisation d'un autre rêve, en traçant le chemin vers la réalisation d'un projet fort longtemps attendu depuis près de 15 ans par les populations de la ville de Bamako et environ. En attendant la fin des travaux de la station de Kabala, le gouvernement a pris des initiatives pour faire face au déficit actuel d'approvisionnement en eau potable des quartiers périphériques de Bamako, avec la construction de stations compactes à Misabougou et à Kalabankoro. La fin des travaux est prévue courant cette année. Cette initiative du gouvernement du Mali bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers, qui affichent de bonnes intentions de financement. La réussite de cette réforme institutionnelle permettra davantage de transparence et d'efficacité. Elle demeure le plus grand défi à finaliser au cours des prochains mois. Nous, PTF, nous assurons, Monsieur le ministre, notre soutien constant pour l'achèvement de ce processus. Avec cette table ronde, c'est un nouveau départ dans les relations de partenariat entre le Mali et ses partenaires.